J'ai débuté, je pense que c'est une affaire de famille en fait. J'avais un grand frère qui est décédé malheureusement, qui jouait au basket, qui a joué ici à l'époque où c'était le Standard de Liège. Et puis de ce fait-là, mon autre frère qui est juste au-dessus de moi, lui aussi était dans le basket et j'ai pris goût directement vers 4-5 ans en fait. Et puis à l'époque, je combinais plusieurs sports, donc l'athlétisme, le judo et le basket. Au fur et à mesure, j'ai abandonné progressivement, je veux dire, le judo. Et puis après l'athlétisme, et j'ai consacré toute ma vie après au basket en fait. Donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose de famille. J'ai été toujours soutenu par mes parents. Donc voilà. Comme je dis, c'était une affaire de famille. J'avais tout le monde autour de moi qui jouait au basket. Donc je pense que ça coulait de source en fait. C'était un choix, je veux dire, qui s'offrait à moi. Et je veux dire, c'était évident en fait. Oui, je pense que comme tout jeune, il y a toujours des hauts et des bas. Et bon, ma jeunesse sportive, je pense qu'elle n'est pas terminée, hein, parce que bon, aujourd'hui, je n'ai que 23 ans. Des hauts et des bas, j'en ai toujours connu. C'est vrai qu'en étant tout jeune, du fait je pense, de certaines possibilités physiques que j'avais toujours, je veux dire, je dominais toujours un petit peu. Après, au fur et à mesure que le niveau s'étoffait, qu'on passait, je veux dire, de niveau, ça devenait de plus en plus dur. Maintenant, je pense qu'au point de vue professionnel aussi, j'ai connu quelques temps un petit peu plus dur, parce que j'ai commencé très jeune, à 17 ans. Mais je pense que maintenant, voilà, j'arrive plus ou moins à me stabiliser. Et bon, voilà, j'ai encore, je pense, une certaine marge de progression. Et puis, le tout, c'est de travailler, en fait. Ça a commencé dès le début, en fait. Dès le début, je pense que j'ai, hormis tous les défauts que j'ai dans la vie, je pense que j'ai quand même la qualité d'être quelqu'un d'assez battant et assez obstiné quand je choisis quelque chose. Et quand je commence quelque chose, généralement, je le fais pas à moitié. Donc voilà, je pense que, comme j'ai dit, j'avais mon grand frère qui était en exemple. J'ai toujours voulu devenir comme lui, je veux dire, c'était pas secrètement, mes parents le savaient, ils voyaient très bien que j'avais des ambitions. Maintenant, voilà, j'essaie de me donner les moyens d'arriver à mes ambitions. Et puis je pense que en étant jeune, on a toujours faim, donc on aspire toujours à aller plus haut, je pense. Donc voilà, j'espère pour moi que ça ne sera pas fini ici. Je pense que mes parents, au début, ils voient un frère qui perce, ils se disent que voilà, c'est peut-être 1 sur peut-être 10 qui va percer. Donc je pense qu'ils ont été, je veux dire, réalistes dès le début, en se disant, bah voilà, c'est bien d'avoir des objectifs. Mais malgré tout, je pense que les études priment sur le basket. Donc voilà, mais au fur et à mesure que j'avançais, qu'ils voyaient qu'il y avait possibilité, que j'ai intégré des équipes de jeunes de plus en plus étoffées, ils ont commencé à penser que c'était peut-être possible, quoi. Et puis je pense qu'après ça, quand j'y suis arrivé et quand j'ai pu devenir pro assez tôt, je pense que tout le monde était content pour moi, dans ma famille. J'ai commencé enfin, petit club, un club de deuxième division, à Aix-sur-Bruxelles. Puis j'ai fait un petit passage en fait par encore un plus petit club, pardon, qui s'appelle l'Éclair, pour revenir après à l'Excelsior. Donc ça, c'était toute ma jeunesse à Bruxelles, ça a été jusqu'à 14 ans. À 15 ans, je suis parti en fait dans l'école de jeunes d'Ostende. C'était Johan Van Delanotte et Frans De Boek qui m'avaient recruté à l'époque. Puis là, j'ai fait 2 ans, 2 ans qui m'ont été vraiment serviables parce que j'ai pu jouer, j'avais donc 15 ans, j'ai pu jouer directement en junior dès que j'ai eu 16 ans, et puis après en D2 avec le club satellite d'Ostende à l'époque qui était Dame. Et puis après directement, je suis passé en pro en fait à 17 ans à Pupmeister.